Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swarkulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty World War 2 sur le nouveau DLC, donc la nouvelle map The Darkest Shore. Bon après cette astuce fonctionnera sur The Final Wedge, sur Ghosts'n Owls et sur tous les autres DLC qui viendront. Mais sur The Darkest Shore, on a une scie qui est encore plus cheatée, donc voilà, c'est pour ça que je vais vous montrer sur The Darkest Shore. Alors la classe qu'il va falloir utiliser pour one shot n'importe quel zombie, n'importe quel boss, c'est ce que je vais vous montrer. Donc il vous faudra ligne de front, voilà, avec le mode vicieux qui vous permet de faire des triples dégâts quand vous activez ligne de zone, ligne de front, excusez-moi. Alors après il faudra mettre le mode corps à corps qui augmente les dégâts accrus quand on utilise le corps à corps, ben, la disqueuse par exemple, quand vous utilisez ligne de front. Et ici grenadier pour avoir deux fois plus d'équipement mortel. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez utiliser les couteaux. En fait, les couteaux, ils one-shot. Si vous activez votre ligne de front et que vous utilisez un couteau sur n'importe quel boss, donc les Whistling, les Brenner et même les Mushler, vous les one-shotez avec le couteau de lancer. Donc, peu importe la map. Après, le corps à corps et le vicieux, c'est surtout pour la map The Darkest Shore parce qu'en fait, il y a la disqueuse. De toute façon, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc avant de vous présenter cette vidéo, j'étais à faire une grosse dédicace à Johnny34 qui m'aide à réaliser cette vidéo. Donc voilà. Donc là, regardez le Brenner, je vais le tuer one shot. Regardez bien, hop, j'active mon spécialiste. Et je m'apprête pour un lancer de couteau, hop. Ah non, je ne l'ai pas one shot. Voilà, il m'a fallu 3 lancers de couteau. Mais en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est directement aller sur lui et le cutter avec la scie à réfendre, non améliorée, et je l'aurais one shot. Donc voilà, il faut vraiment avoir une scie non améliorée pour one shot les Mushler. Et les Whistling et les Brenner. Donc regardez, là il y a un Whistling juste devant moi. Je vais le one shot avec mon couteau de lancer. Ah, il y en a un deuxième, regardez ça. Hop, j'active, je prends mon couteau de lancer. Ah bah non, ça le one shot pas. En deux, ah, il me faut deux coups de couteau pour aller one shot. Enfin, deux couteaux de lancer. Par contre, là j'ai toujours mon spécialiste. Vous allez voir, en un seul coup, je vais le défoncer. Vous avez vu? En un seul coup. Mais ça, c'est parce que j'ai le coup de pelle plus triple dégâts grâce à mon spécialiste ligne de front. Et ça, vous allez les one-shot jusqu'à la manche 100 ou 200. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, mais les Whistling, leur vie n'augmente pas. Et les Mushler, leur vie n'augmente pas non plus. Donc, les couteaux de lancer sont moins efficaces. Mais la scie, elle est vraiment cheatée de ouf. Hein. Vous les one-shotez direct. Donc là, je vais vous le montrer avec un Mushler. Je vais juste réunir les trois statues. Donc voilà, là, je vais rentrer dans la salle de Nerthus. Et là, vous allez voir, il y aura les trois Mushler. Et je vais les tuer un par un. T'as passé la manche. Hop, j'active mon spécialiste. Regardez, un coup, il est mort. Un autre coup, il est mort. Et maintenant, regardez, si vous voulez la colonne de Mushler, ben vous faites ça. Ou vous chargez, vous appuyez sur carré. Bon, là, j'ai raté. Je crois que j'ai pas assez chargé. Mais, ou j'ai pas appuyé sur carré assez vite. Mais sinon, franchement, c'est easy. Hein. Vous avez vu, je les one-shot tranquille. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao. Peace.